Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur Franceau dans votre émission citoyenne. Vous la connaissez cette émission, elle s'appelle pas hashtag, elle s'appelle pas flashmob, elle s'appelle Flash Talk. Et c'est une véritable agora posée au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est à Paris au Ground Control pour parler de quelque chose qui touche un quart de la population mondiale tous les mois. Et pourtant, on n'entend pas autant parler que ça. Heureusement que Flash Talk est là, on va parler des règles. Et oui, un sujet qui suscite encore trop souvent de la gêne, des moqueries ou des ricanements. Alors, les règles seraient-ils le dernier sujet tabou autour des femmes ? Pourquoi c'est si compliqué d'en parler ? On va vous poser la question aujourd'hui. Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui faites ce débat. Vous faites le débat autour de ce tapis, évidemment, ici au Grand Contrôle, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk sur Twitter, en likant notre page officielle sur Facebook. Regardez qui est là. Elle a pris ses crayons déjà, c'est Mikaya. C'est notre cartooniste cette semaine. Et puis évidemment, vous le savez, Flash Talk, c'est la seule, l'unique émission intégralement filmée au smartphone. Vous le voyez ici, vous le découvrez à l'image. D'ailleurs, qui a envie de rejoindre l'équipe aujourd'hui ? Levez la main. Allez, mademoiselle, je te confie un téléphone. Et puis ici, allez, on va aller jusque là-bas. Bienvenue dans l'équipe. On a beaucoup de jeunes gens avec nous dans le public de Flash Talk aujourd'hui et on est ravis. Alors on va commencer peut-être un petit peu tout de suite à prendre la température. On va parler aujourd'hui des menstruations. Alors si je te dis menstruation, est-ce que tu sais ce que c'est ? Bah peut-être que si vous, hein, devant vos écrans, vous êtes dans la même situation, vous ne savez pas de quoi on parle. Et pourtant, on va essayer d'aller voir un peu de ce côté-là. Bonjour madame, approchez ici. C'est quoi ton prénom ? Marion. Où est-ce que tu vis toi, Marion ? À Nantes. À Nantes. Bon alors, dis-moi, les règles, les menstruations, ça te parle ? Ah bah, moi, personnellement, oui, pas aujourd'hui, mais oui, évidemment. Bon, est-ce que pour toi, c'est la douleur ? Est-ce que c'est la honte ? Ou est-ce que tu les accueilles comme une guerrière ? Alors, je dirais pas que je les accueille comme une guerrière, mais après, j'ai eu de la chance d'être dans une famille où on m'a un peu dit que c'était super bien d'avoir ces règles, que j'allais avoir une grande fête. C'est vrai ? À quel âge on t'en a parlé ? Dès l'âge de 10 ans, à peu près. Donc, ça n'a pas été une surprise pour moi le jour où j'ai été réglée. Et alors, du coup, c'était normal, quoi ? C'était normal, mais après, j'étais un peu déçue, parce que bon... C'est-à-dire, tu pensais qu'il allait avoir des étoiles et des feux d'artifice ? Bah, j'ai eu le droit à une fête, mais après, c'était quand même dans la douleur et dans la souffrance, donc c'était un peu mitigé quoi, comme sensation. Merci pour ce témoignage. T'imagines, Sonia ? On a fait une fête. J'adore ça, j'adore. Encore des jeunes filles dans le public avec nous de Flash Talk. Erika, c'est ça ? Oui. Bonjour Erika, vous avez quel âge ? 27 ans. 27 ans. Vous venez d'où ? C'est d'où il vient ce petit accent ? Moi, je suis colombienne. Colombienne. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce débat autour de la question des règles. Les règles, ça vous évoque quoi, Erika ? Pour moi, c'est pénible. Je n'aime pas, je déteste. Ouais, c'est 4 mois, c'est horrible pour moi. Je n'aime pas. Ça a toujours été pénible ? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que c'est un sujet dont on discute facilement, dont vous avez pu parler à l'époque, quand c'est arrivé, je sais pas, avec vos parents, avec vos copines ? En Colombie, non. Non, c'était comme un tabou. C'est un sujet de tabou. Oui, avant, mais maintenant, c'est un peu mieux. Les règles, vous le disiez, encore un mot tabou avant, encore aujourd'hui, malheureusement. Un mot peut-être difficile à prononcer. Tout savoir sur les règles, voici le Data Flash de Juliette Pissard. J'ai mes trucs, je suis indisposée, les Anglais débarquent, j'ai mes ragnagna. On recense plus de 5000 expressions dans le monde pour éviter de prononcer le mot règle. Un mot tabou qui concerne pourtant la moitié de l'humanité. Les femmes ont leurs règles 500 fois au cours de leur vie, à raison de 2 à 7 jours par mois. Pour chaque cycle, cela représente en moyenne une dépense de 10 euros. Un montant qui soulève la question de la précarité menstruelle pour de nombreuses femmes en France. En effet, une Française sur 3 n'a pas les moyens financiers de changer de protection périodique aussi souvent que nécessaire. Les premières règles peuvent arriver chez les filles
fille dès l'âge de 9 ans, mais le sujet n'est abordé à l'école qu'en classe de 4e. Un sujet qui fait souvent ricaner quand on a 13 ans et qui continue de produire une certaine gêne à l'âge adulte. 58% des femmes affirment s'être déjà senties gênées par le simple fait d'avoir leurs règles. Même dans l'intimité du couple, le sujet reste tabou. 3 Françaises sur 4 n'ont jamais parlé de leurs règles à leur conjoint. Alors, la société est-elle prête à faire sauter le tabou des règles ? On parle donc des menstruations dans ce Flash Talk. Aujourd'hui, on va interroger un peu de public. C'est quoi ton prénom, toi ? Liliana. Où est-ce que tu vis, Liliana ? À Paris. À Paris. Alors, les menstruations, les règles ? Mais il y a prescription, hein. J'ai 75 ans. Alors. Oh non ! Mais ça a été un bon souvenir pour toi ? Est-ce que tu étais fière d'avoir tes règles, au contraire ? Non, non, parce que ma mère ne m'avait pas informée du tout. Non. Non, c'est... T'as dû te débrouiller toute seule, c'est arrivé d'un coup. Oui. Tu peux nous raconter la première fois quand c'est arrivé ? Bah, c'est surprenant, hein, tout ce sang qui est, c'est incroyable. Moi déjà, ma mère m'avait dit que les enfants, ça se faisait par le genou, alors je comprenais rien. Alors déjà, c'est compliqué. Hein. Ma mère italienne était très pudique. À l'époque, on n'avait pas des serviettes jetables. Elle m'a raconté qu'elle cachait même qu'elle lavait ses serviettes à l'époque. Hein. Ah ouais, il se dit que de ce côté-là du monde, on a le sang chaud aussi. Et je sais aussi qu'il y a certaines mamans qui pouvaient gifler leur fille aux premières règles. Non, non. Non, ma mère était adorable, non. Non, mais sauf qu'elle disait rien. Je n'étais pas très informée, c'est vrai. Toi, tu as eu des enfants ? Oui, deux fils. Deux fils. Tu leur as parlé des règles, quand même ? Bah, c'est-à-dire qu'ils sont... Est-ce que ça les concerne ? Moi, c'est des adolescents attardés, ils ne sont même pas mariés. Quelle caméra qui arrive ? Comment ils s'appellent, les enfants ? Angelo et Bruno. Bon, ben, il va falloir mettre un coup de pression parce que votre mère vous a mis un taquet ce matin dans Flash Talk. Désolé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on explique aux jeunes filles d'aujourd'hui qui ont leurs règles et qu'on leur explique encore qu'on fait les enfants avec les genoux ? On va poser la question tout de suite à Alice Ackerman qui est avec nous aujourd'hui. Alice, vous êtes membre du bureau national au sein du planning familial. Est-ce que les jeunes filles que vous voyez aujourd'hui au planning familial vous semblent mieux informées que les générations précédentes de femmes sur ce qui se passe quand on a ces règles ? Enfin, c'est compliqué à dire, on a l'impression quand même que ça avance très lentement, que les filles qui viennent, elles le connaissent très peu, ce que c'est les règles. Quand on leur demande ce que c'est, d'où ça vient, elles vont expliquer que c'est une sorte de poche de sang sale qui se vide chaque mois. Du coup, toujours avec des représentations de saleté, de propreté. Et elles ne font pas forcément lien avec leur cycle menstruel, leur appareil génital féminin et de façon générale avec la reproduction. Donc, on va profiter de votre présence, Alice, pour que vous nous fassiez une petite explication. Les règles, c'est quoi ? Comment ça marche ? Chaque mois, il y a dans les ovaires un ovule qui mûrit. Et il passe par les trompes et il arrive dans l'utérus. L'utérus a à peu près cette taille-là, et c'est une forme de triangle. Et quand il arrive dans l'utérus, s'il n'est pas fécondé, il va tomber. Et lorsqu'il tombe, l'endomètre, qui du coup est une membrane qui est sur les parois en fait, de l'utérus, qui a grossi pendant tout le cycle, elle va se détruire aussi. Et en fait, les règles, 99% des règles, c'est l'endomètre qui se détruit, et qui est à la fois liquide, mais parfois il y a encore des morceaux. Donc les filles, quand on leur explique, elles réalisent qu'en fait, les morceaux qu'elles ont, ce n'est pas des caillots de bout d'utérus ou quoi que ce soit, c'est juste leur endomètre, voilà. Et ce n'est pas sale. Et ce n'est pas sale, et ce n'est pas une question de propreté ou de nettoyage, c'est juste un cycle qui dit, tu n'es pas enceinte, tout simplement. Sonia, on me souffle dans la nuque et surtout j'entends ricaner juste derrière moi, ici, ce petit garçon à capuche par ici, allez hop, c'est quoi ton prénom ? Kylian. Kylian, tu habites où toi ? 92. Bon, qu'est-ce que c'est, quand je te parle des règles, ça te fait rire, ça te fait ricaner, ça, comment tu... Hein ? Voilà. Voilà. Voilà les réactions quelquefois de certains garçons avec les règles. Est-ce que autour de toi, des copines, des sœurs peut-être, ont déjà eu leurs règles et puis vous en avez déjà discuté ? Ouais, j'ai des potes qui les ont eues, mais non, on n'en parle pas. On n'en parle pas, pourquoi ? Parce que c'est tabou ou parce que c'est trop intime ? Parce qu'on a la flemme. Cette réponse, je la connaissais pas. On n'en parle pas parce qu'on a la flemme. Bon, ah. Vous... Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à intervenir parce que je pense que vous serez plus réveillés, en tout cas que notre camarade Kylian. Mais il y avait aussi cette jolie demoiselle qui avait envie de prendre la parole. C'est quoi ton prénom ? C'est Nanou. Nanou, où est-ce que tu vis, toi ? Ah bah moi, je vis à Paris. À Paris. Nanou, depuis tout à l'heure, tu... 7 fois arrière-grand-mère. 7 fois arrière-grand-mère. Depuis tout à l'heure, Nanou veut me dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire, Nanou ? Alors, ça veut dire que dans le temps, les parents, ils parlaient jamais de ça. Et le jour que ça m'est arrivé, c'était un matin, je partais à l'école, je me lève et je vois du sang dans mon lit. Ah. Qu'est-ce que je fais ? Je me dirige dans le lit, dans la chambre de mes parents. Et je dis, maman, j'ai du sang partout. Ma mère, elle regarde mon père et fait, oh, ça me fait chier, ça.
Donc, du jeune, ça m'a bloqué. Ensuite, elle m'a donné des choses à elle. Mais le Comment ça, des choses à elle? Des espèces de serviettes, parce que dans le temps, c'était des lettres qu'on lavait. Alors, ce n'était pas comme aujourd'hui, hein, ce n'était pas pratique. Hein. Mais le mois d'après, ça a recommencé, cette histoire-là. Mais ça arrive tous les mois, il paraît. Ah oui, elle ne me l'avait pas dit. Alors, du coup, j'ai pas osé lui dire. Du coup, j'avais plus de serviettes. Du coup, j'ai pris toutes les robes de mes poupées. Oh. Oui. Alors, toutes les robes de mes poupées. Et tout d'un coup, je passe comme ça dans la salle à manger. Et ma mère dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, cette robe de poupée pleine de sang par terre? C'était moi. Et là, j'étais en larmes. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, je dis, tu as dit que ça te faisait chier. Alors, j'ai pas osé te le dire, maman. Voilà. Et ma mère, du coup, ben... Expérience traumatisante, mais comment ça se termine, tout ça? Oh, ben, j'ai plus mis de robe de poupée. Elle m'a donné les serviettes. Et elle m'a dit, ça sera tous les mois comme ça, jusqu'à l'inclin-clin-clin. Elle m'a pas dit de quand, mais bon. Mais est-ce que, du coup, tu le vois d'un bon œil, que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent parler de leurs règles de façon plus ouverte qu'à ton époque? Ah oui, vive la liberté, les filles. Ah oui, même la sexualité, tout ça, on ne sait pas. Hein. Quand mon mari s'est déshabillé, que j'ai vu le truc, j'ai fait « Ah, c'est quoi ça ?» Dis donc, on s'éloigne un peu du sujet des règles, nous. Bah oui, mais écoute, alors... il faut expliquer que les garçons, c'est pas comme nous. Ouais, c'est vrai. Merci, Nanou, on peut l'applaudir, Nanou. J'entends derrière, on fait « Ouais, Nanou, alors ?» Alors, les choses ont heureusement un petit peu changé. On l'a vu tout à l'heure. On va continuer à en parler avec vous, Chloé Bonnard. Vous êtes membre du collectif Les Nanas de Paname. Et vous avez notamment mené, Chloé, avec ce collectif, une campagne choc sur les réseaux sociaux avec des influenceuses dont on voit les sous-vêtements tachés de rouge. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec cette campagne? Alors, quand quelqu'un se fait mal, saigne du nez, personne n'est offusqué et personne trouve ça sale. Donc l'idée a été vraiment en fait de détabouiser ce sujet-là en montrant et en se posant des questions du style pourquoi est-ce que ça vous choque et pourquoi le sang venant d'une autre partie du corps ne vous choque pas. Voilà, et j'aimerais juste ajouter qu'on a fait effectivement ce projet avec l'association CARE qui milite pour le droit des femmes dans 93 pays dans le monde. Rafale? Bah ouais, Sonia, pas mal de réactions aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, Khan Bousso qui nous dit « Des dizaines d'étudiantes indiennes ont été forcées de se déshabiller dans une université hindoue afin de vérifier si elles avaient leurs règles. Le règlement intérieur les obligeait à se mettre à l'écart pendant leur menstruation. » C'est dingue quand même. On se balade ici au Grand Contrôle à Paris. Il y a des gens qui sont en train de déjeuner, de prendre l'apéro. C'est quoi ton prénom? Katia. Et toi, ton prénom, c'est quoi? Manu. Manu, bon, je vous embête. Une seconde, on parle des règles des menstruations. Aujourd'hui, on posait la question au début d'émission, comment est-ce que tu les accueilles, toi? Est-ce que c'est pénible? Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est une fierté? D'accord, c'est pas une honte, mais oui, c'est pénible. C'est pénible, on peut pas dire que je les accueille avec joie. Mais oui, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est agréable. Est-ce qu'on parle assez de ce sujet, tu penses, dans la société? Est-ce qu'on le normalise assez? Non, je pense que, surtout pour la plupart des hommes, c'est quelque chose de, on va dire, dégoûtant. Et donc c'est vrai qu'on n'en parle pas facilement. Bon, alors est-ce que c'est dégoûtant, camarade? Aujourd'hui, non, je trouve plus ça dégoûtant. Mais pendant longtemps, oui, c'était... je comprenais pas le principe, en fait. Je comprenais pas la chose. Et oui, je trouvais ça sale, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ton logiciel? À partir de quel moment tu t'es dit, non, en fait, c'est humain? Le fait de me dire que ben, sans ça, pas de vie. Et puis, voilà, à partir de là, c'est pas plus sale que plein d'autres choses. Donc, on a besoin de ça. Elles ont besoin de ça. Et nous aussi, en tant qu'hommes, au final. Donc. C'est rassurant, quand même, ce qu'il dit, là. Ah oui, complètement. Bon, t'as choisi la bonne personne, en tout cas, pour prendre un verre. Très, très bien. Merci, en tout cas. N'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment, ici, autour du tapis de Flash Talk. Et vous aussi, hein, sur les réseaux sociaux, je lis, évidemment, tout ce que vous dites. Il y a, par exemple, GapCap qui nous dit « Avoir ses règles, ça coûte cher. » Aujourd'hui, des millions de personnes vivent dans la précarité menstruelle. Ou encore, on a Noélie qui nous dit « Il n'y a rien de honteux à avoir ses règles, MDR, c'est naturel. » Les règles, il en a, lui, mais dans sa trousse. Hein. C'est Mikaya, notre cartooniste. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a donc sur l'établi? Eh bien, on a vu qu'il y avait des réactions un petit peu obscurantistes. Alors, on voit quelqu'un qui dit à une fille impure.
parce qu'elle a ses règles, et elle dit « C'est peut-être un sale moment pour nous, mais ça ne veut pas dire que c'est un moment sale. » Ouais, ouais, c'est une jolie pirouette. Un autre dessin, alors, peut-être, Mikaya ? Bah oui, justement, stop au tabou sur les règles, on en a vu quelques-uns, et la fille qui dit « C'est quand même incroyable qu'il y ait encore autant de tabous et de préjugés à ce sujet. » Et le gars qui lui dit « Mais pourquoi tu t'énerves comme ça ? T'as tes règles ou quoi ?» C'est vrai qu'on en parle souvent, on n'est pas revenu sur cette expression Sonia, t'as tes règles, c'est ça ? Oui, j'ai noté tout à l'heure, Raphaël, que vous parliez de cette question de précarité menstruelle, la question du coût. C'est loin d'être anecdotique, la question du coût, n'est-ce pas, Tara Euzé, fondatrice de l'association Règles élémentaires, la première association de lutte contre la précarité menstruelle. C'est quoi la précarité menstruelle ? La précarité menstruelle, c'est le fait que des femmes n'ont pas les moyens de s'acheter des protections périodiques pour vivre dignement leurs règles. Donc très concrètement, ça concerne des centaines de millions de femmes dans le monde. Et rien qu'en France, on estime ce chiffre à 1,7 million de femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits du tout ou en quantité suffisante. Des femmes que vous accompagnez avec votre association, on parle de femmes en situation de précarité, de femmes sans abri. Oui, Règles élémentaires, on accompagne toutes les plus démunies, donc que ce soit des femmes sans abri, mal logées, des étudiantes en situation précaire. Et un autre pan de notre activité tout aussi important est de briser le tabou autour des règles. Le tabou dont vous constatez vous aussi qu'il est toujours tenace dans la société française en 2020 ? De moins en moins, mais il existe toujours. Il existe d'autant plus, nous, pour les publics qu'on accompagne, donc en situation de grande exclusion. Ça crée une gêne supplémentaire, ça crée une honte. Comment voulez-vous passer un entretien si vous n'êtes pas capable de vous protéger et que vous saignez ? Donc voilà, ça se rajoute à plein de difficultés de la vie, mais heureusement, les mentalités changent, les choses bougent et on arrive à faire changer les règles. Alors, pour parler concrètement, avoir ces règles pour une femme, c'est en moyenne, alors ça dépend évidemment du type de protection qu'on utilise, en moyenne entre 10 et 50 euros par mois, entre 8 et 23 000 euros sur toute une vie. Donc on voit bien, hein, évidemment, que c'est un coût. Il y a un débat autour de la gratuité des protections menstruelles. C'est cher, évidemment. Alors, gratuité ou pas, qu'en pense notre public, Raphaël ? Posons la question, vous pose la question ici, par exemple. C'est quoi ton prénom ? Salma. Salma, t'as quel âge, toi ? 16 ans. 16 ans, ouais, t'es pas sûre. Où est-ce que tu es ? Ah, pardon, avec ce joyeux anniversaire en retard. Alors, où est-ce que tu vis ? On posait la question, est-ce qu'on est pour ou contre la gratuité totale ou partielle des protections périodiques ? Gratuite, si, effectivement, c'est que les protections hygiéniques nocives qui sont gratuites. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Alors, après, si c'est toutes les protections qui sont hygiéniques qui sont gratuites, ouais, là, ça serait bien. Qu'est-ce que tu appelles protection hygiénique nocive ? Justement, en fait, si on regarde bien, il n'y a pas forcément les ingrédients, enfin, les compositions qui sont écrites au dos des paquets et souvent enfin, on se retrouve avec des produits vraiment nocifs pour le corps qu'on ne mettrait pas sur notre peau, alors pourquoi est-ce qu'on la mettrait dans nos protections en bas quoi. Quel casse-tête, merci pour ce témoignage. Alors moi j'ai Noah qui se pose un certain nombre de questions depuis tout à l'heure qui ne s'étaient pas forcément posées jusqu'à maintenant, c'est ça aussi Flash Talk. T'as quel âge Noah ? J'ai 16 ans. T'as 16 ans, bon, jusqu'à présent les règles, avant le début de cette émission, ça t'évoquait quoi ? Pas grand chose. Hein. J'ai des amis qui m'en parlent, enfin sans, on n'a pas, ouais, sans gêne, mais on n'a pas non plus dialogué là-dessus. Elles, par exemple, quand elles sont de mauvaise humeur, elles disent ouais, je les ai. Et j'en ai ou je suppose qu'elles en ont parce qu'elles sont de mauvaise humeur, mais elles m'en parlent pas. Alors, Noah, tu sais qu'une fille peut être de mauvaise humeur sans avoir ses règles. Tu le sais ça ? Bien sûr. Ok. Mais je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas insister. Voilà. Sur la question de la gratuité des protections périodiques, je te posais la question tout à l'heure et tu étais un petit peu embêtée. Tu n'y avais jamais réfléchi. Là, je t'ai laissé 2 minutes de réflexion. Où tu en es ? Faut que ce soit plus accessible. Et dans une vie de couple, c'est vrai que partager le coût des protections pour l'homme, il faudrait que la femme et l'homme les payent ensemble. C'est bien, Noah. Bravo, Noah. De la gratuité, je suis obligé d'en parler à Marilou Bertrand. Elle travaille pour une marque qui s'appelle Dans ma culotte. Dans ma culotte, vous proposez des produits d'hygiène intime lavables, bio, à faible empreinte écologique, des serviettes hygiéniques lavables, des cups, des tampons biologiques. Je me trompe pas ? Non, c'est exactement ça. Et justement, il y a une jeune fille que j'ai interviewée tout à l'heure dans le public qui me disait ah ouais, mais gratuité, si c'est pour nous donner des trucs nocifs qu'on doit se mettre dans le corps, non merci quoi.
C'est ça. En fait, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui impose aux fabricants de mettre la composition sur les packs. Donc, c'est problématique parce que du coup, on ne sait pas ce qu'on utilise. Nous, on vérifie nos matériaux. Nos matériaux sont certifiés, sont tracés. Et derrière, on vérifie l'absence de produits nocifs avec des tests en laboratoire qui sont menés par des laboratoires certifiés en interne. On parle de ce sujet ici, en France, dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer également, mais la perception des règles ailleurs dans le monde, est-ce qu'elle est très différente de celle que nous, on a les Français et les Françaises ? Alors, on sait que dans certains pays en voie de développement, c'est compliqué. Il y a certaines jeunes filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école quand elles ont leurs règles. Elles sont obligées de rester à la maison. Donc, on sait que pour l'instant, on se concentre sur la France parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Mais l'objectif, c'est en effet de pouvoir avoir des actions au niveau mondial. Merci beaucoup, Marie-Lou, pour ce que vous faites. Ça s'appelle « Dans ma culotte », dans la mienne aussi, pourquoi pas. Pour certaines femmes, avoir ces règles, ça peut représenter un véritable calvaire. On a beaucoup parlé de l'endométriose qui touche une femme sur 10 aujourd'hui. Et c'est une maladie gynécologique qui a notamment pour conséquence de rendre les règles extrêmement, extrêmement douloureuses. Sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a une politique menée par le planning familial ? Je pense notamment au congé menstruel. Alors, je crois que ça existe au Japon, par exemple. Bah, déjà, la question de l'endométriose, c'est de considérer la douleur que ressentent les femmes pendant les règles comme anormale. Et ça, c'est déjà un énorme pas dans la culture et politiquement, c'est ce que nous, on porte au planning. Après, la question d'avoir un arrêt de travail, c'est du coup que le médecin, quand la femme va venir en disant qu'elle a mal et qu'elle a des grosses douleurs, qu'elle ait une endométriose ou pas, de considérer que cette douleur-là, elle existe, elle est légitime et que du coup, on peut faire un arrêt de travail à ce moment-là quand la personne n'est pas en capacité d'aller travailler. Je voudrais qu'on fasse un petit sondage minute là autour de ce tapis. Qui a entendu parler de l'endométriose? Ouais, il y a quelques mains qui se lèvent, mais bon, je dirais à peu près moins de la moitié quand même hein, du public aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Thomas. Vous êtes là, vous représentez une association ou... Non, j'accompagne un groupe d'élèves. Ah, vous êtes le prof. Voilà. Le prof de quoi? Lettres-histoire. De lettres et histoire. D'accord. Alors, vous vouliez réagir sur cette question de l'endométriose ? Oui, parce qu'on commence à en parler un petit peu maintenant. Pendant longtemps, on n'en a pas du tout parlé. Et pendant longtemps, c'était un peu les femmes ont mal, tant pis pour elles. Et vous qui êtes au contact au quotidien avec des jeunes, est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet moins tabou qu'avant ? Est-ce qu'ils vous posent des questions ? Les élèves, les filles disent plus facilement, j'ai l'impression qu'elles ont moins peur de... Ben, alors, elles doivent lever la main, c'est pas pratique, mais elles ont moins peur de le dire à un prof homme qu'il y a une dizaine d'années. Enfin... Les jeunes filles d'aujourd'hui lèvent plus facilement la main pour dire j'ai besoin de sortir de la classe ? Oui, alors elles le font discrètement, mais en tout cas elles le disent plus facilement, alors qu'avant il ne fallait pas en parler. J'ai des cas de filles où elles ne disaient rien et quand elles se levaient, il y avait des traces de sang sur la chaise. Enfin, c'était des choses quand même assez, assez terribles pour dire. C'est traumatisant pour une jeune fille, évidemment. Oui, c'est traumatisant, mais pour dire à quel point c'était tabou, elles n'osaient pas dire ben, j'ai besoin d'y aller. Ça voulait dire aussi derrière qu'il y avait un souci d'information, qu'elles n'avaient pas de protection. On avait des élèves qui ne s'équipaient en protection qu'au lycée, c'est-à-dire qu'à la maison, elles n'en entendaient pas parler du tout. Merci pour votre témoignage. Si vous nous rejoignez maintenant, ah c'est dommage parce que c'est déjà presque la fin de Flash Talk, votre émission citoyenne. Par contre, vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk ici, même devant votre écran. Il y a par exemple BNTC Fangirl qui dit « On adore avoir ses règles, pas pouvoir se lever, vomir, pas pouvoir se maquiller, se coiffer, pas aller en cours, peut-être devoir ne pas aller travailler ce soir. » Quelle vie. Ou encore Sincerely Yours qui nous dit « Wesh, c'est pas humain d'avoir aussi mal en ayant ses règles. Chaque mois, la douleur arrive encore à me surprendre. » Mikaya, ça t'a inspiré encore quelques dessins. Et oui, on a vu. Donc les règles, les hommes doivent être solidaires. Et un gars très content qui dit « Moi aussi, quand je fais pipi, c'est tout rouge. » Et la fille atterrée qui dit « Mais ce n'est pas de la solidarité, c'est une maladie vénérienne. » Je connaissais pas cette couleur de pipi. Oula, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Et puis le fameux quand même, hein, puisque ben, pas ce soir chérie, et la fille qui lui dit ben, les Anglais ont débarqué, et le gars qui dit malgré le Brexit. Attention, là on est sur une vanne dicton. Merci Mika, vous pouvez l'applaudir très fort s'il vous plaît notre cartooniste. Moi je dis la vérité, Sonia, je connaissais pas cette expression, les Anglais ont débarqué. Mais on est tous là pour apprendre des choses et Noël Agossa vient de me confier que lui aussi, il avait appris des choses aujourd'hui. Noël, vous êtes fondateur d'un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, engagé pour les droits des femmes.
Qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de cette émission, Noël ? Bon, déjà, ça pose la question déjà par rapport aux hommes, pourquoi pas. Apprendre la patience aussi. C'est-à-dire la patience. Pour moi, parce que 4 jours, 5 jours de règles, pour une femme, déjà, elle a déjà mal, elle souffre. Mais c'est aussi, ça pose la question de la patience. Attendez, les garçons, les hommes, attendez que ça passe. Voilà, ne vous offusquez pas, ne vous énervez pas, ne vous brusquez pas et ne la brusquez pas non plus et ne la forcez pas non plus. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci Noël. Merci à vous. L'émission, on s'arrête autour de ce tapis ici au Ground Control, mais elle continue évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Par exemple, ma chère Sonia, j'ai un tweet de 20h25 qui me dit « Genre, une femme en moyenne passe 10 ans de sa vie à avoir ses règles, mais je vais pas tenir !» Ah, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop long. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce débat, d'avoir pris la parole. On l'a vu, c'est pas toujours... évident, c'est un sujet encore parfois compliqué à aborder. Mais merci à tous les jeunes qui ont pris la parole courageusement, tous les jeunes garçons. Bravo à tous et à bientôt pour des prochains débats citoyens. Salut. François.